La santé publique d'Ottawa confirme la présence du virus d'une île occidentale dans la capitale, avec un premier cas confirmé d'infection chez les humains. Le virus qui se propage par le maringouin domestique. Et Marika, la santé publique rappelle aux résidents l'importance d'être vigilants. Oui, exactement, Étienne, puisqu'elle a confirmé donc cette présence du virus du Nil occidental dans les moustiques d'Ottawa. Et c'est le premier bassin là, de dépistage qui s'est avéré donc positif. Et depuis le début de la surveillance, donc en juin dernier, il faut savoir que l'année dernière, bon, il n'y a eu aucun cas d'humain infecté à Ottawa, mais on parle de 54 dans la province de l'Ontario. Et l'infection par le virus du Nil occidental, eh bien, c'est principalement propagé par le moustique domestique du Nord. Et dans un petit nombre de cas, bon, ça peut causer une maladie grave. Mais bon, Étienne, la plupart des personnes là, ne présenteront pas de symptômes. Ce sont environ 20 % des gens qui peuvent développer des symptômes que l'on peut là, comparer à une grippe, là, avec une fièvre, des maux de tête et des démangeaisons également. Et selon le microbiologiste Patrick Filion, eh bien, ce n'est pas une situation alarmante. Depuis 2001, c'est un virus qui existe au Canada. Donc, de façon, on va dire, un petit peu cyclique, puis de toute évidence, pendant l'été, lorsque les moustiques sortent, bien, la période de propagation peut être plus grande. Donc, on semble voir un petit peu une augmentation des cas ou des moustiques, du moins, qui sont positifs cette année. Mais c'est quand même pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe au Canada depuis peut-être une vingtaine d'années. C'est pas alarmant. Il faut comprendre aussi que ce virus-là n'est pas transmissible d'humain à humain. Donc, contrairement par exemple à la grippe, la COVID ou un rhume, si moi j'ai été piqué et infecté, je peux pas, simplement en étant en présence de ma famille ou de mes amis, le leur transmettre. Donc, ça prend vraiment une piqûre de moustique. Tout de même, la Santé publique Ottawa conseille fortement aux résidents de se protéger là, contre les piqûres de moustiques, notamment en appliquant un insectifuge approuvé et de porter des vêtements longs. Judicieux conseil. Merci beaucoup, Marika. Au revoir.